Et moi. Ouais, mais toi on s'en fout. Ok. Mais on peut pas, on se retrouve. Non, pas pour une interview de chasseur 50-30, c'est bon, une année, ça nous a suffi. Voilà. Là, je rigole bien sûr. Non, mais vous connaissez l'interview, voilà quoi. Hein. Donc, on se retrouve pour la visite des reptiliades. C'est grand. Très grand. Plus grand que l'année dernière. Plus de 3000 mètres carrés. Avec des nouveaux exposants. Voilà. Ah, il est un peu vieux lui. Hein. Voilà. Bon, ben on se retrouve pour la vidéo. Allez. Enfin, pour la vidéo, oui, pour la visite. Allez, ciao. Ah ou voilà, donc ça c'est l'intro original, je crois. Oui. Donc déjà, pourquoi une chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, tout simplement parce qu'en fait moi je suis quelqu'un, j'adore faire des décors, j'adore montrer un peu ce que je fais et j'adore faire apprendre aux gens quand je vois des petits trucs qui sont sympas ou des petits bons plans. Donc j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube pour pouvoir partager ça avec les gens et puis en l'occurrence ça a l'air de plaire, donc moi ça me plaît aussi. C'est sûr, c'est bien quand même de faire partager un peu avec. Pourquoi les reptiles? Les reptiles simplement parce que j'adore ça, mais après demain je voudrais partager des trucs sur ma voiture, mais je ferai des tutos voiture, mais bon, là pour le coup c'est les reptiles et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent pas mal d'informations. Si je peux leur apporter quelque chose, ben, j'essaye par l'intermédiaire de ma chaîne quoi. Est-ce qu'il y a des objectifs d'abonnés au début quand t'as fait ta chaîne? Est-ce que tu t'es dit je veux monter à ça comme abonné ou... Aucun objectif, ouais. Aucun objectif. Je fais mon truc vraiment juste pour moi. Ça monte pas. Là-dessus, voilà. Après, c'était... Moi, non, j'ai pas d'autres questions. Vas-y. Ouais, bah, merci. Ok, pas de problème. Et passez une bonne journée. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Allez, je te filme un peu. Ouais, oh, ils se filment. Ils sont...
Bah, je suis le seul à pas bouffer parce que j'ai pas les moyens. J'ai trop acheté de trucs. Ouais. Eux ils bouffent. On pense qu'on a acheté, mais on a acheté du lourd. C'est pas bon. On a acheté du lourd. Préparez-vous. Sur le stand de skate, donc il y a principalement du serpent des blés. Donc, il y a des individus qui sont nés cette année, d'autres l'année dernière. Il y a aussi d'autres espèces. On a de la couleuvre léopard, qui s'appelle la Zamenis sicula. Il y a aussi du serpent ratier du Bayeux. C'est une espèce de couleuvre américaine. Voilà. Aussi un joli mâle adulte. Particulière parce que la couleur des juvéniles est assez sombre et la coloration arrive en grandissant. J'ai aussi un peu de pitch office. Voilà, c'est le pitch office des pays Jani. Donc là pareil, ils ont des couleurs assez caramel, assez marron pour le moment. Et adulte après ça prend vraiment des couleurs bien spécifiques. Voilà, après pas mal de variétés hein, en serpent des blés, des couleurs sélectionnées comme celui-là, Albina Sopiti Extrême. Ouais, c'est magnifique. Tessera. Ouais, plein de couleurs différentes. Ouais, arc-en-ciel. C'est ça. Ben merci. De rien, avec plaisir. Sur Serpent de Londres, on a toutes les espèces de serpents. C'est-à-dire on va faire aussi bien du colubridé, tout ce qui est Pantherophis gutatus et autres colubridés, de l'hétérodon, plusieurs espèces de colubridés différentes. Et on fait aussi tout ce qui est python et boa. Alors on fait du morella, on fait du boa constrictor, on fait plusieurs espèces de boa différents et de pitons différentes. Et on a une petite spécialité sur la faune de Guyane. Donc là, vous avez en présentation, tout là-bas dans la petite boîte, les bébés Corallus ortulanus, donc serpent des bois des jardins de Guyane. Et donc, c'est de la faune française, donc obligation d'avoir un certificat de capacité, une autorisation d'ouverture d'établissement. Et donc, c'est un petit peu la spécialité chez nous, c'est de faire de la faune de Guyane, pour lequel il faut un CDC et une autorisation d'ouverture d'établissement. On ne peut pas les vendre sur les salons comme aujourd'hui. Merci à vous. On vend ça, bien sûr, comme capacité. Voilà, on a à peu près 100-120 reproducteurs à la maison. Et on a entre 150 et 450 bébés chaque année, en fonction des espèces. Et donc on en vend une partie, on en élève une autre partie qu'on garde pour nous. On travaille avec des magasins, on travaille avec des particuliers, on fait un petit peu. Moi j'avais un élevage en fait. C'est un élevage de taille moyenne. Ouais.
120 reproducteurs, c'est bien pour un élevage comme le nôtre. Alors, on est amateur, mais par contre, on a monté une petite structure pour pouvoir payer les impôts sur ce qu'on ramène de nos ventes. Mais sinon, on est quand même des amateurs. Moi, j'ai un travail à côté, ma femme aussi, ma fille aussi. Du coup, ce n'est pas notre métier de vendre du cerf. Voilà, on est sur le bord de la Méditerranée, on est à Villeneuve-les-Maguelone, à côté de Montpellier. Voilà pour l'ensemble. Bon, ben merci. Hein. Mais de rien. Reptilhomme et chasseur de serpents du 30, et on espère vous tous vous revoir l'année prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.